Salut, on est aux ECN, je suis avec Loki d'Epsilon eSport. Salut. On fait une petite interview en marge des ECN qui sortira un petit peu après pour revenir un petit peu justement sur votre équipe, sur votre préparation aussi et voilà, un truc un peu plus général. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur votre prépa pour les ECN, même si les gens qui visionneront cette vidéo auront déjà vu vos résultats, donc ils pourront voir ça avec un petit peu de recul. Bon, on arrive avec une prépa moyenne, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu pas mal d'obligations avec mes cours, j'ai eu ma première session d'examen en mai, qui s'est soldée sur des rattrapages dans lesquels j'y suis là depuis 3 semaines. Donc ça fait 3 semaines que je suis en plein rattrapage et une épreuve tous les 2 jours. Donc des après-midi de prac qui sautent entre guillemets, enfin, on peut pas faire 10h, 19h comme on le voudrait, ou midi, 19h, on est obligé de faire 3-4h parce que je suis obligé de bosser à côté, quoi. Donc disons qu'on arrive avec une prépa moyenne, voilà, dans le sens où on n'a pas pu faire de bootcamp non plus, un peu encore à cause de moi. Donc on n'a pas pu vraiment avoir, on va dire, deux grosses semaines très productives. Après, on a fait la peur des choses, on savait que la préparation allait être difficile donc à cause de mes examens, donc on a bien ciblé les points, on va dire, à travailler, on s'est donné des objectifs, et je leur ai donné des objectifs, et ils avaient quand même des petites missions, des petits devoirs à faire pendant que moi j'étais pas là pour essayer de combler ce retard, on va dire. Ok, et du coup le retard, ouais, pour toi actuellement, tu penses que c'est quoi vos points forts, c'est quoi vos points faibles chez Epsilon? Disons niveau que, ma pool, niveau stuff, disons etc. que ouais, niveau ma pool, on est quand même désavantagé par rapport à la plupart des équipes là, des finales, bah, peut-être à part Maxi qui ont un petit mal pool aussi, enfin à peu près comme nous. Après, disons que c'est plus des lacunes individuelles qui nous font tort. On va dire que on a quand même des jeunes joueurs, expérimentés ou pas, au final ça reste des jeunes joueurs, et on a des plein de petits points individuels sur lesquels on doit tous bosser énormément. Donc ça passe par les POV, ça passe par passer des heures sur le serveur tout seul à réfléchir à comment je pourrais me sortir de cette situation où je meurs tout le temps, quoi, sur cette map, sur cette position. Après, on est arrivé quand même à cibler ces points vite et à trouver des manières pour les bosser vite, donc surtout sur nos sites terreau, où on manquait de construction au début parce que j'étais pas trop présent, donc j'avais du mal à cadrer un peu l'ambiance de travail, et on jouait un peu décomplexé au début, voilà, principe de jeu, on va voir comment ça se passe, et ça manquait énormément de prise de décision individuelle, en fait. Du coup, on a recadré ça complet avec Léo, avec Anna, avec un système de vidéos. En fait, on s'est fait un Google Drive où on a des vidéos avec des rôles, que chacun connaît son rôle dans le round. Donc on va dire qu'on a travaillé d'une autre façon, c'est un peu du bête et méchant, mais on va dire que là, pour le court terme en tout cas, et pour les échéances qu'on avait, ça nous a permis de rattraper ce retard. Après, on a quand même la chance d'avoir quand même des bons joueurs, proprement parlant, individuellement parlant, qui ont quand même des ressources, qui ont faim du jeu, qui ont tout approuvé pour la plupart, donc ça reste quand même une carte à jouer pour nous, voilà, on peut faire de très belles choses. On a, comme je dis souvent, c'est le problème du sub top, c'est qu'on a un palier haut qui peut être très haut, que ça soit en entraînement ou en offi. Voilà, des fois, comme là pour les Océanes par exemple, voilà, on a battu Maxi 6-2-0, on fait un super match, on joue bien, et la semaine d'après, on perd 2-0 contre Vexed, on a notre potentiel bas et très bas aussi, quoi. Donc c'est un peu les montagnes russes, et on essaie de travailler sur ça en apportant de la construction et plus de réflexion, mais voilà, ça va être sur du long terme, il y a pas à chier. C'est impossible de, on va dire, de fonder une maison aussi rapidement, quoi. Il faut prendre le temps de tout bien faire. Donc là, on a apporté un peu chacun notre pierre à l'édifice parce que voilà, je manquais de disponibilité. Mais à partir de la semaine prochaine, où moi je finis, je vais reprendre tout ça plus sérieusement en main et ça va filer droit. Yeah, c'est cool. Et tu parlais justement un manque de régularité. Forcément, il faut du travail, il faut de l'expérience. Et là, pour parler de ça, vous êtes séparé de Malek du coup fin avril. Exactement, après l'AJA. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur ce transfert-là? Et puis après, on va reparler aussi des autres. Ouais, des autres. On fait une Epsilon bonne. L'ambiance était au beau fixe. On s'est quand même cherché. On a eu des changements de lead. Malek au début, moi, Reval, re-moi. Bon, c'était un peu compliqué. Au final, on arrive à la GA avec une grosse préparation. Vraiment, j'ai rarement été aussi serein dans ma préparation. Peut-être la GA de l'année dernière avec Platinum, où pareil, on sortait d'un gros bootcamp et on était prêt pour la LAN. On avait notre map pool, on avait nos plans de jeu, on connaissait les points faibles de nos adversaires,
on savait qu'on n'allait pas se faire surprendre par les petits, mais qu'il fallait être fort contre les gros. Voilà, on était vraiment confiants, pas confiants, on va gagner, mais on est prêt. Après, va falloir assumer, mais on est prêt. Et déception quand même, déception de perdre Maxis aussi sèchement, déception de perdre Wissix aussi sèchement, parce que le match il est largement à portée de main, on perd vraiment sur des individualités. Du coup, on découle un débrief général, pas que sur la LAN, hein, parce que voilà, la semaine de bootcamp aussi avant nous a permis quand même de voir qu'il y avait des trucs qui peinaient dans notre jeu. Et du coup, bon, par rapport à Malek, je pense que il a besoin vraiment de lead pour être à sa place. Et à partir du moment où on lui a enlevé ça, où il a perdu ce rôle, il a eu du mal à vraiment se réintégrer au nouveau rôle qu'on lui a demandé. Et c'était pas optimal pour lui, et il peinait dans sa performance, quoi. Il avait du mal vraiment à performer alors qu'il travaillait énormément, en fait. Et c'est ça qui nous a un peu déçu. C'est pas la personne, vraiment, c'est le joueur. Surtout moi, je lui ai donné vraiment le temps de se remettre vraiment au niveau dont on voulait, comme on voulait, quoi. Il a eu du mal alors qu'il travaille énormément. Il fait énormément de DM, de retake. C'est un des joueurs qui crame le plus le jeu dans le subtop en termes d'heures de jeu. Il sait comment bosser individuellement. Et on est arrivé à un stade où on a quand même dû chacun donner notre avis, et unanimement on était tous d'accord pour dire qu'il nous a pas prouvé qu'il arrivait à augmenter ses performances malgré son travail qui était important. Du coup après la Gamer Assembly le lundi, voilà, on a fait un débrief avec toute l'équipe et le staff, et on lui a dit vraiment honnêtement, quoi. Chacun s'est dit honnêtement tout ce qu'il pensait. Donc on l'a expliqué que voilà, nous c'était par rapport à son impact, son firepower, que voilà, bah, qu'il y a des situations qu'il n'arrive pas à gérer, et que après lui avoir expliqué et avoir passé une semaine de bootcamp, s'il arrive toujours mal à les gérer, c'est compréhensible que nous aussi de notre côté on ait envie de passer à autre chose. On a tous envie d'avancer vite, parce que c'est un peu ça aussi le subtop, il faut avancer vite, sinon il y en a d'autres qui vont la choper ta place. Du coup voilà, on est venu cette réunion, tout le monde a donné son avis, et tout le monde est unanime sur le fait que voilà, on était déçus de ses performances. On attendait plus de lui. Alors, à notre tort peut-être, on en attendait aussi peut-être trop, parce que il a toujours lead avant, donc ça a toujours été quand même, on va dire, celui qui était un peu à l'écart, ce qui est normal. Et à partir du moment où il avait plus lead, on a estimé que voilà, il pouvait plus être tout le temps un peu derrière, parce qu'on lui avait enlevé ce poids. C'est moi qui l'avais récupéré. Voilà, maintenant il fallait qu'il casse des culs, clairement, quoi, qu'il fasse ses games tout le temps, et il n'y est pas arrivé, et donc voilà, ça a été dur, parce que moi, outre me séparer d'un joueur, je me suis quand même séparé d'un très bon ami, parce qu'on ne s'est pas séparé dans la meilleure des façons, parce que voilà, c'est grâce à lui qu'on a eu Epsilon, c'est grâce à lui que j'ai fait plein de choses dans le jeu, il m'a toujours suivi, toujours apporté. Donc ça a été hyper difficile, je vais pas te cacher que la journée était lourde émotionnellement, parce que ces discussions, plus 2 heures après l'appel de Jax et VKL, on était encore dans la voiture, c'était même pas rentré chez moi, on se casse, on a la proposition. Donc c'était beaucoup de pics de... Voilà, parce que comme je l'ai dit, je lui ai dit, si je pouvais, je te garderais, enfin la personne, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut réfléchir compétitivement parlant, et il y avait besoin de faire un changement parce que il y avait aussi notre besoin de trouver un leader, en fait, parce que c'était pas optimal que je lead, j'en ai toujours un peu marre d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas mon poste de prédilection, même si je fais tout pour bien le faire, je sais que quand je suis focalisé que sur mon jeu, je serai forcément plus impactant. Val voulait pas réessayer, on n'avait pas envie que Malek le reprenne, parce que ce qu'il nous a proposé au début ne convenait pas comme plan de jeu. Et donc voilà, on avait besoin de trouver un leader, et que la logique était de séparer du moins performant pour le remplacer par un leader. Il peut être fier de ce qu'il a fait, et même en tant que joueur aussi, je pense qu'il rebondira, mais je pense que c'est pas nécessaire non plus, quoi. Si ça roule, sa partie stream, et moi, comme je l'avais dit, je pense qu'en tant que coach aussi, pour être très impactant, parce que voilà, il comprend très bien le jeu, il a la très bonne vision et tout. Son défaut, c'est la pression qu'il va un peu prendre et les situations qu'il va un peu moins bien mal gérer. Donc, on va dire qu'il a plein de cartes à jouer.
c'est pas une fin en soi, le kick chez nous. C'était pas une fin, quoi. C'était pas la fin de Malek. C'était le début d'autre chose et la continuité de plein de trucs qu'il a déjà amorcé. Donc, je me fais pas de soucis pour lui et enfin, ouais, je lui fais un gros bisou parce que ça reste quand même un très bon pote. Ok, ouais, donc on a parlé du premier changement avec Malek. Il y en a eu un autre avec justement, vous avez pris Lipton et Remex. Exact, ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus rapidement ? Bah, du coup. Ce même jour de lundi d'après GA, notre réunion finit avec beaucoup d'émotions et le cœur un peu déchiré parce que je me sépare d'un ami. Et puis bon, c'était dur, on va pas se mentir, c'était dur quoi. En plus, on avait la défaite entre les deux, enfin encore qui nous avait un peu marqué. Bon, bref, c'était pas facile. Et une heure de trajet, même pas. Et je reçois un message de Jax qui me dit bon, ben voilà, on a la proposition avec Val, c'est un refusable, tu le sais, c'est normal, on va accepter. Donc là, il y a tout qui s'effondre un peu, quoi, parce que déjà, j'avais passé, on va dire, le mois avant la GA, j'ai repris le lead et tout, j'ai passé du temps tout seul à vraiment travailler notre jeu et tout. Enfin, je me suis saigné, quoi, je me suis saigné pendant le bootcamp. J'étais réveillé à 9h, je préparais tout, à midi, ils se réveillaient, j'avais juste à leur montrer. Enfin, je me suis saigné comme un fou, quoi. Et que là tout tombe quoi, -3 en fait, -3 en une journée, on se retrouve à 2 avec Léo, avec quand même la crainte d'Epsilon dans le sens où bon ben même s'ils ont toute la confiance possible en nous, tu perds 3 joueurs, tu te poses quand même des questions sur comment tu vas rebondir quoi. Donc au fond, je vais pas te mentir, au fond c'était pas facile, déçu de moi parce que j'aurais bien voulu avoir une proposition aussi, j'estime que je l'aurais peut-être mérité donc... Voilà, vraiment au fond. Du coup, faut se remobiliser vite parce qu'il y avait l'échéance en fait des ESL, donc des CNF, qui obligeait 4 jours ou 5 jours après la GA, enfin dans la semaine qui suivait, à donner toutes les line-up des équipes officielles, machin, pour faire leur montage, vidéo, nana, pour tout préparer quoi. Du coup, le compte à rebours s'amorce et on était un peu dans la panique avec Léo parce que c'est chaud de trouver 3 joueurs. Les rôles, c'est pas facile. Sachant qu'il y avait quand même toutes les équipes qui étaient en place. On va dire que tout le monde a fait à peu près bonne GA. C'était dur d'aller pick un peu. Enfin, on pouvait pas pick chez Envy, on pouvait pas pick chez Wissix ni chez Maxi06. Et après, t'as toutes les équipes d'en dessous. Il y avait des joueurs qui nous intéressaient, par exemple chez Klim, qui en même temps était en bootcamp. Du coup, par respect, on a préféré pas proposer aux joueurs intéressants parce que voilà, ils étaient en bootcamp. On n'avait pas envie de. Du coup, voilà, ça a été un peu dur. Donc le choix s'est tourné au début vers Robin qu'on avait déjà, enfin voilà, qui est un ami à moi, qui connaît aussi très bien Malek, qu'on avait déjà un peu dans le collimateur. Après on a eu plusieurs choix qui sont proposés, faire le choix jeunesse, expérience, le milieu, prendre du brut de skill ou prendre les joueurs complets. Enfin, on était un peu mitigé. Et au final, s'en est suivi le premier contact avec Anto, donc avec Remex, avec qui voilà, moi je connais très bien, c'est un ami de longue date. On avait besoin de firepower parce que fallait remplacer Jax, c'est que il faut du firepower, il faut du skill pur et dur. Donc on s'est tourné vers Anto qui correspondait au profil malgré ses lacunes individuelles, donc voilà, dans la communication, dans le jeu d'équipe, ce qu'on essaye de travailler énormément. Et après, on voulait quand même assurer en fait avec Léo, enfin avec Anna, dans le sens où on pouvait pas faire confiance qu'à des jeunes et dire à Epsilon ça va cartonner parce que tu sais pas ce qui va se passer, s'il faut ça va manquer complètement d'organisation et tout. Donc on a quand même voulu prendre un joueur qui a fait beaucoup d'équipes, qui a fait des LAN, des podiums, qui sait comment bosser, qui a fait des bootcamps, qui sait gérer, on va dire, le jeu d'équipe à notre niveau. La pression aussi. La pression et tout. Et du coup, ça c'est parti sur Jerem, donc sur Lipton. Surtout que j'estimais, même si je gardais le lead, avoir besoin quand même d'une aide. Donc c'était aussi pour avoir une aide en tant que co-lead, voilà, parce qu'il a quand même été toujours présent dans le lead de cette équipe. Donc voilà, au début ça s'est bien passé. Franchement, on se connaît après tous bien à la base. On était tous, on va dire, à peu près tous très amis. Même si on n'avait pas joué ensemble, donc on va dire que c'est l'entente est direct bien passée, hyper motivé, normal, parce que c'est une occasion, c'est une opportunité, et donc voilà, donc ça s'est fait assez vite. Au début c'était bien, franchement au début on a bien bossé, on avait faim quoi, tout le monde avait la bonne ambiance et tout. Et ce qui a un peu compliqué les choses, c'est quand il y a eu mes partiels et tout, moi j'avais vraiment pas le temps de bosser, j'avais pas le temps de 3 heures avant les pracs préparer les plans de jeu pour tout le monde.
Donc j'ai préféré leur dire que j'arrêtais le lead, mais temporairement, dans le sens où je serais là en co-lead et tout, j'aiderais, mais que pour créer le jeu et tout, voilà, j'aurais pas le temps, parce que j'ai pas le temps, j'ai mes examens et tout. Et on a eu, on va dire, une petite période de transit pendant un mois, là, où c'était un peu compliqué, où Robin a pris le lead, mais il n'y avait pas vraiment de création de jeu. On jouait hyper simple sur les bases qu'on a depuis 2-3 ans, mais du coup, ça tournait pas à notre avantage, dans le sens où c'était pauvre en jeu. C'était pauvre en jeu, c'était tristouné à voir. C'était un peu dur mentalement, parce que quand moi, je suis pas là, eux, ils ont pas trop la motivation de se bouger le cul. Et moi, je peux pas à côté arriver et mettre des gifles en mode les gars, réveillez-vous parce que je suis celui qui avait le moins de disponibilité. Donc on était dans une situation un peu compliquée, si tu veux, où tout le monde faisait un peu les choses à moitié parce qu'il n'y avait pas la motivation de vas-y, on est 5, on va tout casser quoi. Et je m'en suis excusé plein de fois parce que voilà, je sais que j'ai fait un peu retarder. Après, j'y suis pour rien. Enfin, je veux dire, j'ai mes études à côté. Moi, si demain je peux en vivre et arrêter, je le ferai. Je l'ai toujours dit. Actuellement, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de faire la part des choses. Et voilà, on était, je te dis, dans une situation où c'était mitigé pendant un petit mois. On s'est cherché. L'envie, elle diminuait. Plus trop d'ambiance et tout. Et on est venu au moment où voilà, j'ai dit c'est bon, on arrête les conneries. Je reprends tout, ça va être dur parce que je vais avoir des journées genre de malade, en mode je bosse le matin jusqu'à 15h, après, mais en même temps je dois préparer les plans de jeu, après je prague jusqu'à 20, je rebosse le soir, enfin bon, j'ai eu des journées de taré, je l'ai fait parce que voilà, je voulais que ça reparte, et là on a retrouvé une bonne dynamique depuis 2-3 semaines, ou on va dire depuis vraiment 2 semaines, où on a tout repris à zéro, on a changé énormément de rôles, que ce soit en terreau ou en CT, on a changé les rôles de tout le monde en fait. Donc, on s'est trouvé une nouvelle dynamique qui fonctionne bien avec tout le monde à sa place. On va dire que les limites sont fixées. Pardon, personne passe au-dessus de personne. On a fait une hiérarchie. Elle est respectée et ça commence à bien marcher. Et donc là, voilà, on est satisfait des choix qu'on a fait avec du recul. Voilà, avec Anna, on est content. Après, va falloir vraiment qu'on ait ces 2 mois d'été là, c'est juillet-août, pour faire un vrai bootcamp à 5, parce qu'ils ont fait un bootcamp, mais j'étais pas là, ça sert à rien. C'est des bootcamps où ça bosse pas vraiment, c'est pas des bootcamps productifs, c'est plus des bootcamps pour aller rencontrer le staff, voir la gaming house. C'est important aussi, la cohésion. C'est important, quoi, mais... franchement c'est important, surtout qu'en plus, on va dire que c'est ceux qui se connaissaient le moins qui y sont allés, donc c'est important, moi je connaissais tout le monde et tout, Mais maintenant que ça s'est fait, voilà, il faut qu'on bosse sérieusement. Et donc là, on attend des dates de disponibilité courant d'été pour faire un gros bootcamp et se mettre vraiment à bosser. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, satisfait de nos choix. Ça a été fait à la va-vite, mais bien. Après, il y aura toujours des détracteurs pour dire que certains ne méritent pas leur place. Tout le monde est motivé et crois-moi que chacun dans l'équipe sait qu'il a tout à prouver et qu'il faut qu'il aille montrer aux gens qu'il la mérite sa place. Go casser des culs maintenant. Ouais, du coup. Voilà, c'est ça. Yes. Et du coup, la gaming house, elle est en Belgique, c'est ça ? Elle est en Belgique, elle est à une demi-heure de Bruxelles. Ouais. Cool. Et comment est la relation avec le staff justement ? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ouais. Ils vous font toujours autant confiance. Parce que je sais qu'à une époque, du coup, vous étiez rémunéré. Ouais. Aujourd'hui, ça en est où ? Alors, le staff est très proche de nous. Il y a pas, c'est une grande famille, on va dire. Quand ils sont allés à la gaming house, il y avait tous les responsables et tout. Ça s'est très bien passé. On va dire que depuis un mois, nous, il y a eu les changements. À côté, on n'a pas eu d'event offline. On n'a pas eu trop de compétition pour se montrer. Et à côté, ils ont eu des joueurs d'autres games, surtout FIFA, qui ont fait des très gros résultats, donc ils ont eu beaucoup de déplacements avec FIFA, avec Call of, qui gagnent des titres à la chaîne. Et on est un peu passé un peu dans l'ombre, plus leur équipe suédoise, qui ont les changements, qui viennent de recruter 3 nouveaux joueurs et tout. On va dire qu'ils ont eu beaucoup de trucs à s'occuper. Et donc depuis un mois, voilà, on a notre manager qui était à l'armée, qui a dû partir un mois et demi pour l'armée. Il vient de rentrer là, donc il arrive là, il arrive dans quelques minutes. Il vient de rentrer la semaine dernière, donc on va dire que pendant un mois, on a été un peu livrés à nous-mêmes. Ce qui, je pense, nous a fait un peu défaut aussi, parce que malgré les changements dans le jeu, voilà, on se sentait un peu seul, quoi. On se sentait un peu seul devant une montagne à gravir, et c'était un peu dur. Mais on a eu une réunion récente avec le staff pour mettre tout ça au clair. Tout le monde a sa part de responsabilité, dans le sens où nous, on n'a pas montré assez de sérieux, et eux ont eu beaucoup d'autres trucs à gérer à côté.
on est toujours suivi à 100%, ils ont confiance en nous. Après, ils veulent qu'on leur montre qu'on en a dans le ventre, quoi. On va pas se mentir, ça les a affectés parce que voilà, notre responsable Samy, c'est vraiment un partisan du les changements. Ça sert à rien, il faut rester ensemble, il faut bosser ensemble. Il y aura toujours des joueurs en dessous, mais il faut faire avec, quoi. Et surtout qu'il a construit une relation très 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 amicale et très forte avec Malek, qui à la base donc a eu la proposition, enfin qui a eu le plan pour la structure. Du coup voilà, le kick de Malek a fait qu'il a peut-être pris un peu inconsciemment voilà ses distances avec nous. Et du coup voilà, on a eu un mois là un peu chacun de nos côtés, mais on s'est tous reparlé et voilà, on sait qu'ils nous suivent, mais qu'ils attendent des résultats vite pour qu'on leur prouve qu'on est là. Et pour nous mettre aussi dans des conditions meilleures. Donc après voilà, tu parlais des rémunérations, donc on était complètement tous rémunérés avec l'ancienne line-up. Pour l'instant, il n'y a que donc Léo et moi qui avons gardé nos contrats actuels, donc qui le sont toujours. Et on va dire que au départ de l'équipe, ce qui était convenu, c'est qu'il y avait une transition d'un ou deux mois jusqu'au final CNF. Mmh. C'était l'objectif, c'était faire le championnat, se qualifier au final, voir ce qui se passe au final. Et il y aura signature des contrats pour les trois autres. Donc on va dire que là, on arrive au terme de ce laps de temps. Nos objectifs, nous, ils ont été remplis, entre guillemets. On en parlera après des trucs sur Internet qu'on a fait, mais ils ont été remplis. Donc maintenant, c'est à nous d'envoyer du beau jeu ce week-end et après de parler du futur avec eux, donc de la signature des contrats pour les trois nouveaux et partir sur toute la saison 2018 ensemble. Ok. Et tu parlais de Malek, lui aussi, ce qu'il apporte à l'équipe au-delà du skill, c'est sa fanbase, justement. Exactement. Ses followers sur Twitter, ben voilà, ça fait la diff aussi. C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'on est Epsilon et Epsilon France, c'est deux parties détachées, bien opposé, enfin vraiment ça, c'est chaque chose est à sa place. Vous avez pas trop de relation avec l'équipe Inter du coup? Ben on a de la relation avec Barbare parce qu'en fait les deux fois où nous on a fait des bootcamps, lui il était là tout seul sans l'équipe parce qu'il y va souvent en fait parce qu'il aime bien y être. Il va se ressourcer un peu parce que voilà, le cadre est top, t'es bien, t'as la campagne, le bumping, puis bon voilà, enfin la maison elle est top, on va pas se mentir. Et donc on est assez proche de Barbare, voilà, bah là il nous a encore envoyé un message tout à l'heure, allez-y les gars, nanana, donc il nous suit, mais après pas trop avec les autres. Et on va dire que voilà, la partie Epsi France donc est bien à part, et du coup ça fait que on n'est pas géré voilà par toutes les mêmes personnes, le budget est séparé aussi, donc et en fait ce qui a porté énormément à Epsi France, bah, c'était Malek parce que clairement l'idée en fait derrière Epsi France c'est de trouver des sponsors mais pour la France en fait, et c'est surtout grâce à Malek que ça aurait été possible. Ouais, parce qu'on voit sur vos maillots, il y a des marques qui existent même pas en France, voilà, quoi. Ouais, c'est que les sponsors Inter, et en gros voilà, eux ce qu'ils veulent c'est faire une partie française avec des nouveaux sponsors qui sont français et faire comme une autre structure, quoi, en fait. Pas une autre structure, mais t'as compris l'idée, quoi. Mmh. En mode c'est vraiment la partie détachée. Et du coup, ça a forcément compliqué la tâche pour eux dans leur recherche de partenariat, de sponsorship, parce que bah, le gros avantage de notre équipe, c'était la fanbase de Malek. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un mois un peu détaché. Après, on ne peut pas leur assurer une fanbase comme celle de Malek, parce que personne dans l'équipe ne l'a. Après, voilà, on leur a dit que Jérém a recommencé le stream. Moi, là, je le reprends à partir de la semaine prochaine, dès que j'ai fini mes examens. On va tout faire pour apporter cette fanbase et on va réfléchir, pas fanbase de Twitter, mais résultat HLTV, quoi. Et ça rapportera ce que ça rapportera pour les sponsors, quoi. Voilà. Et justement, en parlant de ça, prochain objectif, là, du coup, à part le bootcamp en termes de LAN ou de Cup of LAN, franchement, on sait pas. On voulait se qualifier à la DreamHack Valencia, on a raté la qualif. LAN, on sait pas du tout. Cet été, il n'y a pas grand chose en France. Peut-être à l'étranger, on va voir. On va se focus sur nos parties internet. On a ECA Main qui recommence. On a Sevo où on a fini 3e des mains. Donc on a fait des. Enfin, on perd derrière Singularity. Donc il y a quand même une bonne équipe et tout. Enfin, on va se focus sur nos offis et vraiment sur préparer du jeu et tout. Franchement, je t'avoue, on n'a pas vraiment de grosses échéances en mode voilà, il y a cette compète, telle date. Après, ça peut. On sait peut-être pas trop à se renseigner, quoi. S'il faut, il y a un petit bioc pas loin où il y aura une LAN cet été. On n'en sait rien. En vrai, on en sait rien. Il y aura peut-être les finales master fin d'été aussi. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Pas trop d'objectifs, en tout cas offline, quoi. En tout cas offline. Après voilà, beaucoup de préparation et un bootcamp au moins de 10-15 jours, quoi.
Ok. Du coup, Loki, je te remercie pour cette interview. Avec Comme tu plaisir. Sais, sur Vacarme, on laisse l'invité conclure. Alors, du coup, je vais te laisser, la caméra est juste ici. Et moi, je me barre. Salut. Okay. Eh bien, donc merci Vacarme. Merci à ESL pour ces finales, parce que le studio, c'est canon. Ça a de la gueule, vraiment. Le staff, super. Vraiment, on a été accueillis. C'est le premier event où on est vraiment pro, enfin, où ça fait pro, quoi, par rapport aux LAN françaises, sans compter la PGW. Merci à Epsilon pour leur soutien, à Samy, à Greg, à Guillaume qui nous a été très précieux ces derniers mois, à Napo qui revient, donc ça va faire plaisir. Merci à tous mes teammates de me supporter et de pas être parti parce que je ne pouvais jouer que 3 heures par jour, d'avoir pris le temps de m'attendre, on va dire. Et un bisou à mes potes, à tout le PIAF crew, dédicace à l'Arrosoir, nouvelle asso bordelaise, et bisous à ma petite copine. Merci.